excusez-moi, vous avez pas une petite pièce, s'il vous plaît? C'est une galère, ce que vous demandez. Comment ça, tu donnes pas au prochain? La voiture? Ouais. Tu veux faire un tour? Comment ça, tu veux faire une tour? Je viens de te demander une pièce, tu m'as dit que je donne pas au clochard. Ah ouais, bah moi je fais pas faire de tour au michto, moi. Salut Internet, c'est Kamoff, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je porte une chapka, vous allez comprendre pourquoi. Coiffure zéro. Bref, aujourd'hui, pour cette vidéo, je suis en compagnie de mon ami Farid Zitoun, youtubeur que vous connaissez, qui va être de plus en plus présent dans mes vidéos. Ça fait un moment maintenant, ça fait combien de temps? Ça fait longtemps que tu viens. Ouais, ça fait. À chaque tournage, il est là de toute façon. Ouais. Donc, et moi, je suis sur sa chaîne aussi. Donc, si vous voulez voir un peu ce qu'on fait, voilà. Donc, il y a sur sa chaîne, j'y suis, et lui, il est sur la mienne. On est avec Rémi. On est avec Fafa TV, que vous connaissez, mon ami, à qui je fais des pranks aussi. Sa chaîne, elle s'affiche juste en dessous. Tous les liens seront en description dans tous les cas. Et en plus de ça, lui aussi, il m'a fait des pranks et j'en ai fait un nouveau. Je l'ai enlevé, les gars, allez voir, oui. Ça encore. Il a eu peur, il a pleuré. Il a pleuré, Kamoff a pleuré, oui, c'est vrai, j'ai pleuré. Et on est aussi avec notre ami, un grand rappeur qui n'est pas encore connu mais qui va pas tarder à l'être, KGL. On met un extrait de son clip maintenant. Voilà les amis, donc tous les liens seront en description, si vous êtes intéressé par voir n'importe quoi, vous allez en description. Donc aujourd'hui, grâce à Farid et à Fastlock 30, on a pu sortir un BM M2 et qui est très 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 beau. Et vous savez, quand j'ai des grosses voitures, je fais des grosses vidéos. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va rentrer dans un quartier et je vais faire semblant de crever pour voir la réaction des gens. Donc les amis, j'espère que cette vidéo va vous plaire, premièrement. J'espère aussi qu'elle va bien se passer. J'ai noté, frère. On va aller la ramasser. Voilà. Et donc, là, on va aller trouver un endroit où il y a des jeunes, on va y aller. Et on va voir un peu comme on avait fait avec la RS7, etc. Voir comment ça se passe. La dernière fois, on a fait semblant de tomber en panne. Là, on va faire semblant de crever. Voilà, en plein milieu du quartier. Donc, on va leur demander s'ils peuvent nous aider ou pas. Donc, on va se rendre dans un quartier avec la BM. Et on va voir ce que ça dit. À toutes. Bon les gars, là on vient de trouver un petit quartier sympathique. Il y a pas mal de jeunes, hein. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de jeunes. Donc là on va prendre le BM. On va passer devant eux. On va leur faire croire que j'ai crevé. Hein. Après bon, quand ils vont voir que j'ai pas vraiment crevé, je pense que ça va pas trop les amuser. Mais bon, on va leur demander de l'aide. Donc là j'y vais avec Farid, Fafa, KGL et Rémi. Et on va voir comment ça se passe. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ce style de vidéo. Je sais que vous kiffez et j'espère que ça va bien se passer. Donc sautez-nous, bonne chance. Allez, c'est parti. Putain, quoi. Elle pisse déjà. Ouais, et ouais. Cache les gars, frère. Ils nous regardent tous, frère. Il n'y en a pas qui nous regardent pas, gros. Ah, tu m'étonnes, frère. Ils vont pas nous casser les couilles. Fais genre que t'as crevé, Ouais. Vas-y, regarde la roue, s'il te plaît. Fais semblant de regarder la roue. C'est laquelle, fait crever? Hein? Je sais pas, j'ai un message comme quoi... Ah, c'est celle-là, je crois. Hein. Eh ouais, tu vois, là. T'as crevé, gros? Hein? On a crevé, ouais. Je crois, hein. Ouais. C'est lequel, lui, devant ou derrière? Je crois que c'est celui derrière. C'est celui de derrière? Ouais, c'est un peu... En fait, il doit avoir une fuite. Ouais. Et il commence à se dégonfler, t'as vu? Je pense, j'ai un message d'erreur sur le... Je suis désolé. Les gars, je... Non, il est pas mou, mais il doit avoir une fuite. Et en fait, le message d'erreur que j'ai sur le truc, il le détecte, tu vois. Et si je continue à rouler, il va se dégonfler, le machin, tu vois. En plus, c'est pas la mienne, c'est une location, tu vois. En fait, il n'y a pas un cric dans le coffre, gros. Il y a peut-être... Ça s'ouvre. Tu vas leur dire quoi à location? Je sais pas, frère, il faut qu'on les appelle parce que. Attends, qu'est-ce que tu fais, frérot, s'il te plaît? Attends, non, c'est pas ta voiture, poteau. Je regarde, s'il te plaît, c'est pas ta voiture. Non, t'inquiète, mais non, frérot, je sais, mais c'est une location, t'as appris. Si on veut en acheter 4 comme ça. Ouais, mais voilà, c'est une location, moi. J'ai une caution, tu vois ce que je veux te dire, frérot? Je suis derrière, comment c'est fait, tu vois? Les gars, non, mais.
T'inquiète, regarde, gros. Vas-y, t'as le tout là, vas-y. T'as pas les clés, gros? Les gars, y'a personne de chez vous, y'a personne qui a une pompe? Juste pour regonfler, après je peux faire un tour, je m'en fous, tu vois, mais. Une pompe, je sais pas. T'as pas une pompe, toi, dans la voiture? Ah ouais, le garage. Ah mais on peut pas rouler. Mais non, je prends pas le risque. T'imagines, ça bousille la jante. Bah, c'est pas grave, les gars. Sinon, on va faire un peu, on va rouler un peu plus loin. C'est pas grave. Ah, il voulait. Attends, je vais pas t'enlever les clés, frérot. T'as cru que j'ai. Attends. Frérot, t'as cru que j'ai. J'avais 15 ans, je vais te donner les clés de la voiture. T'es gros, mais t'inquiète, moi. Tu dis qu'il est crevé le pneu. Mais donne, je vais te l'amener dans un garage. Non, mais c'est bon, si vous allez dans un garage, puis allez-moi, gros. Non, non, c'est pas où il est. Si, je sais où il est. Non. Regarde un peu comment c'est venu. La main, regarde, frère. Le pneu, il est dur. C'est crevé. Il a pas crevé. C'est ça, tu vois. Ça nous a signalé, tu veux, dans ce cas. Signalé de quoi? Vas-y, regarde. Il y a rien qui est marqué sur le tableau de bord. Mais sur le tableau de bord, c'est écrit, frérot. Mais c'est écrit. Frérot, regarde, s'il te plaît. S'il te plaît, frérot. Tu fumes dans la voiture et tout, frérot. S'il y a une boulette, s'il te plaît, sors, mon frère. S'il te plaît, frérot. S'il te plaît, frérot. Sortez. Gros, t'as cru qu'il allait te la bouffer, là. C'est pas ça, frère, il fume dans la voiture, frérot. J'ai une caution, là. Tu me dis les pneus, y'a même pas marqué de. Mais c'est normal, y'a pas le contact, frérot, c'est moi qui ai les clés. C'est bon, je mets le contact. Mais non, c'est bon, c'est pour faire ça, c'est bon. En fait, il fout de ta gueule, je crois. Regarde, il a pas les clés là sur lui. Si, mais j'ai les clés sur moi, mais y'a personne qui a mis les clés. Mais non, personne n'a pas les clés. Je vais prendre les clés, vous allez pas me prendre les clés, les gars, qu'est-ce que vous racontez? Il va te dire quel rousset, il va te dire. Je vais te montrer quel message, regarde. Vas-y, moi. Ah, il est devant. Regarde, je vais te montrer, je vais démarrer la voiture. Ah ben là il y est plus. Bah c'est bon, y'a plus de message, les gars, venez monter, on peut y aller. C'est moi. En fait, si je comprends bien, j'ai pas le droit de tomber en panne. Voilà, exactement. Ça va. Ah, par contre, c'est pas les darons, poto. Ne suis pas les darons, par contre, hein. Non, pas. Mais ils ont même pas de respect. Ouais, vous faites les macs. Vous faites les macs parce que vous êtes 10. Parce que vous êtes 10, frère. Mais frère, il y a une balise, mais imagine-toi, il fait un truc. Si il tape avec, on est mort. Ouais, faut récupérer la voiture vite. Venons, on sort. Mais gros, attends, il était au courant. Le mec de location, j'ai dit ce que j'allais faire. Ouais, mais gros, tu voulais pas, tu voulais pas, te garer un peu plus loin, Putain. En fait, tu sais, c'est quoi, je pense, toi avec ta cagoule. Eh ben frère, on rentre dans un quartier avec la cagoule, c'est normal les mecs ils pètent un câble. Mais même pas ça, ils l'ont vu au dernier moment, c'est pas lui frère. C'est que frère, il a voulu la voiture, c'est tout frère. Ils nous ont fait une. Déjà, tu veux qu'on nous regarder frérot quand on était. Qu'est-ce que je te dis, frérot, cagoule ou frérot? Et puis t'as vu le mec en orange frère, ça se voit, frère, il voulait foutre la merde. Je parle sur j'appelle le mec de la location, je vais lui dire ce qui s'est passé. Ouais frérot. Ouais. Ouais, il nous est arrivé une dinguerie là, tu sais, on a fait la vidéo. Attends, passe-moi le. Attends, il va t'expliquer. Ouais, ho! Il s'est passé quoi? Allô? Ouais, il va péter. Allô. T'as vu, je t'avais dit, je voulais faire une vidéo dans un quartier et tout, que je fais semblant de crever et tout. Ouais. Mais là, le problème, c'est que les mecs, ils sont partis avec la voiture. Ils nous ont pris la voiture. Comment ça? Je te promets, gros. Tu leur as laissé les clés? Mais ouais, non, c'est qu'ils frérot, ils étaient une dizaine, ils nous ont pris les clés de force. Eh non, tu peux pas me dire ça, là. Eh frérot, je vais essayer de la récupérer, mais. Eh ben là, t'as pas le choix, t'as posé une caution, hein. Ah merde. Moi, si tu ramènes pas la voiture, je peux pas te rendre ta caution. Ouais, c'est normal, je comprends, je peux rien te dire. Faut qu'on la récupère. Mais vas-y, je vais la récupérer, gros. J'espère qu'ils vont pas taper avec ou quoi, tu vois. C'est moi qui vais prendre, sinon. Ah, ben j'espère pour toi, moi, de toute façon, tu le sais, la voiture, elle a rien, elle est neuve. Et ouais, je sais. Vas-y, on va essayer Je compte sur toi, hein, tu me tiens au courant. Vas-y, je te tiens au jus, frérot, je suis désolé. Vas-y. Allez, merci. Frérot, j'ai la caution, c'est le prix de la voiture, gros. Si non, mais lui, il s'en bat les couilles, il a sa caution, frérot, dans tous les cas. Lui, il a sa caution, c'est moi, je vais perdre des sous.
C'est moi et Farid, c'est nous, on a mis tous les deux. Moi, c'est un bon contact, je le perds. Ah, là, tu perds ton contact. Ah, toi, laisse tomber, toi. Moi, c'est mort, c'est mort. Les gars, faut absolument. Si. Il faut absolument. Si on récupère pas la voiture aujourd'hui, on la récupérera plus. Mais frérot, comment tu fais? Je sais pas. Rappelle-le de Moni, s'il y a une balise dessus. Comme ça, on attend. Tu sais ce qu'on fait? Ils vont la prendre, ils vont faire des tours. Nous, il va nous donner un logiciel. J'ai une idée de fou. Vas-y. Il doit avoir une double de la voiture. Je les ai. Tu as le double d'écrit? Ah oui, je les ai, frère. Mais donne-nous le double, frère. Je sais pas, tu me l'as pas demandé tout à l'heure. Non, mais alors lui. Non, mais toi. Alors, t'es incroyable, c'est incroyable. C'est quoi, vas-y. Heureusement, j'étais obligé. Mais frère, alors ce qu'on fait, c'est qu'on. Là, on se taille. Ouais. Parce qu'on est juste à côté, gros. Là, on prend des risques de. On se taille. On revient après. C'est-à-dire qu'il faut récupérer. Si on la récupère pas, c'est-à-dire qu'on la récupère mort, plus. C'est mort. C'est fini. C'est fini. On va pas y retourner à 500 comme on fait pour les vidéos non. À chaque fois. On y retourne, nous, en 2-2, avec la clé. Et on y va en soum-soum. On essaie de la prendre en sous-marin, bien. Frère. Faut pas y aller beaucoup, justement. Faut qu'on y aille à deux, frérot. Ou deux ou trois max. Max, histoire qu'il y en ait un qui piste et les deux qui. Mais on a le double des clés, frère. Je vais pister par en haut. La voiture, à un moment donné, ils vont la stationner. Mais ils vont se servir là avec la. Là, après, ils sont partis pour. Mais à un moment donné, ils vont la stationner. Ben oui, parce qu'on a la balise avec le GPS. En mode ninja en faisant des cartes. Tu sais qu'il y a la balise dessus. Eh oui, sûr. Il y a la balise, c'est sûr. Je vais envoyer un message, je vais me dire, ouais, il y a Ali dessus. Donc, dès que la voiture est. Bon, regardez ce qu'on fait, les amis. On va faire simple. On va retourner dans le quartier. D'accord. On va attendre que la voiture soit stationnée. Avec le double des clés, on va y aller, moi, Farid et Fafa. Et on va récupérer la voiture en soum-soum en attendant que Rémi et KGL voient de loin si on peut y aller ou pas pour donner le feu vert. Donc on va y aller et on espère que ça va bien se passer. Allez-y. Doucement, doucement. Ok, impeccable. Ok, Quentin, tu bouges pas, tu restes là. Bouge vite, doucement.